Deux minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on parle du cœur, du rythme et comment prendre son pouls. Eh bien, on va poser toutes ces questions au docteur Laurent Chauveau. Laurent Chauveau, vous êtes médecin à Nevers. Le cœur, quel bon rythme et comment on prend son pouls? Alors, bonjour. Le cœur, c'est un organe qu'on a dans la poitrine qui va envoyer du sang à notre cerveau, à nos doigts de pied, un petit peu partout. Alors, ce qui est important à comprendre, c'est qu'il y a un débit cardiaque qu'on doit avoir et il y a un équilibre entre la tension et le pouls. Le pouls, c'est tout simplement la rapidité avec laquelle le cœur envoie le sang au niveau de tous nos organes. On peut avoir ce qu'on appelle une tachycardie, c'est quand le cœur va beaucoup trop vite. Au contraire, on va avoir une bradycardie quand le cœur ralentit. Alors, tout ça, ça va être compensé par la tension qui va monter ou descendre. Quand vous courez, vous avez un cœur qui s'accélère pour amener un petit peu plus d'oxygène et de nutriments à vos muscles. C'est la tachycardie qui est tout à fait naturelle. Alors, dans ces cas-là, on va prendre notre pouls. On a plusieurs endroits où on va prendre notre pouls. On peut le prendre au niveau des carotides. On va mesurer sur une quinzaine de secondes et compter le nombre de battements sur nos carotides. Si on ne sent pas les carotides, on peut mettre la main sur la poitrine, on va sentir les pulsations du cœur, on les compte sur 15 secondes. On peut faire pareil au niveau du poignet. Alors, au niveau du poignet, ce n'est pas au milieu. Et on ne prend pas son pouls avec le pouce parce qu'au bout du pouce, vous avez une artère et vous risqueriez de sentir deux fois. Donc, vous sentez avec les doigts, comme ça, sur le côté du poignet, pas au milieu, sur le côté, un côté ou l'autre, vous avez l'artère cubitale ou l'artère radiale et vous multipliez ce chiffre par 4 et ça vous donne votre pouls qui doit être entre 60 et 80 au repos. Voilà, vous savez tout sur votre rythme cardiaque et comment le contrôler en prenant votre pouls. Merci Laurent Chauveau.